Donc là, l'emplacement avec la goupille là, il faut surtout pas perdre de l'actionneur, transmetteur de position et actionneur. Donc transmetteur de position et actionneur de volet du collecteur d'admission. Donc la pièce, je l'ai reçue, je vais l'ouvrir et on va l'installer ensemble. Donc trois boulons. Donc on en est là. Ceci, c'est ma pièce d'origine. Hop, on peut le voir. Par contre, il faut comprendre, moi, mon véhicule, c'est en année 2009. Avec cette pièce d'origine, on est en 2022. Fin 2022, bientôt 2023. Donc 2009, ça fait déjà 11 ans. Sachant que, en ayant rajouté la petite pièce que vous avez vue, je la porte de suite. Donc, en y ajoutant ça, le véhicule a... la pièce a maintenu encore, j'ai pu la garder pendant 3 ans. Ouais, 2019. 2019. Ou 2018. Entre 2018 et 2019. Donc, au bout de 10 ans, cette pièce a commencé à déconner. J'y ai ajouté ça, comme on pouvait le voir sur certaines vidéos. Donc oui, ça vient comme ça. Et donc il est censé retenir un peu. Donc là, il se visse bien à sa place. Lui, il est censé... Alors c'est pas ce côté, c'est l'autre côté. Mais non, normalement c'est celui-là. Donc je me gourre. Hop, hop. Dans l'autre sens, non, on voit qu'il est rodé. Et que ça vient comme ça. Voilà. Hop, hop. Cette pièce, elle vient comme ça. Voilà, cette pièce, elle se cale comme ça, vous voyez. Et en fait, en se calant, elle relève un peu le niveau, on va dire, de l'emplacement du volet d'admission. Donc, sans la pièce, on voit que ça descend plus bas. Je vais l'enlever juste pour que vous voyez. Hop, là, le signal, il n'est pas donné au calculateur, comme quoi les volets sont ouverts ou fermés. Donc le signal comme ça, il n'est pas donné. Et en ajoutant cette pièce, donc ça relève un peu le truc, ça décale son truc, son réglage, et du coup là, ça la capte la pièce. Le signal, il est donné. Donc comme je vous dis, en ajoutant cette pièce, 1,50€. La durée de vie de la pièce d'origine augmente de 3 ans. Donc maintenant, il ne donne plus de signal, plus rien du tout. Je l'ai démonté, vous avez pu voir peut-être la vidéo, je ne sais pas si j'ai fait la vidéo ou pas. Donc j'ai démonté tout ça là-dedans, il y a tout qui va bien. Il y a juste ici, il y a des parties électroniques, enfin, il y a comme des capteurs, des circuits, et ceux-là, ils ne peuvent pas se contrôler que sur cette partie-là. Ça, c'est la partie électronique. Après, toute la partie mécanique, elle fonctionne très bien, les poulies, etc. Tout va bien. Bref, passons, on est là pour voir la nouvelle pièce que j'ai reçue. Hop, hop, elle est neuve. Hop, hop, on va vérifier juste que j'ai bien reçu la bonne pièce. Donc là, elle est dans le sachet. Déjà, je contrôle visu, que tout va bien. Les emplacements, le nombre de broches. Maintenant, on peut la sortir du sachet. Et voir ce qu'il en est. Donc jusqu'ici tout va bien. 1, 2, 3, 4, 5, les broches. Ok. Alors ça, c'est comme je dirais, c'est pas d'origine. Donc on va voir en branchant, est-ce qu'elle nous donne un capteur ou pas, un signal. Juste voir si ça... C'est bon, il marche aussi. Allez, c'est parti, on va le connecter. Alors, est-ce que je vais arriver à vous garder avec moi en live avec le téléphone? Hop. Allez. Donc l'ancienne pièce, la nouvelle pièce, le voyant de préchauffage qui clignote sur la Audi 2 litres 140. On va remettre cet élément
à sa place, en remettant bien le petit téton. En fait, ce que vous voyez là, ce petit ressort, il doit venir là. Donc c'est pas mal dans le genre. Vous voyez, dans le genre, ça va être pas mal avec une main, ça va être pas mal. Vu filmé, ça va être encore plus délicat parce que l'axe il est. Il faut que je remette aussi. Je sais pas si vous voyez. Ben, ce qui fait bouger le volet en fait, c'est cette pièce noire. Cette pièce noire va venir s'emboîter sur ce téton. Et la pièce, le ressort alu, il va venir se caler ici. D'accord? Le truc en alu, il est là. Vous voyez? Et ça, c'est là. Allez, je vais essayer de mettre tout ça en place tout doucement et ensuite je vais rebrancher la fiche. Essayez de vous garder avec moi si on peut. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite fortement à vous abonner. Vous allez économiser plein d'argent. Avec Lars Diagoto, bientôt Lars TV. Alors, comment je vais te caler? Comment je vais te caler pour que tu restes avec moi? Et que surtout tu puisses voir ce qui se passe. Je vais changer de trépied. Et je vous reprends. Donc ici on a du Torx. J'ai sûrement fait la vidéo de démontage. Donc j'ai dû vous expliquer avec quoi je dévisse ça. On va commencer juste à mettre la pièce en place et remettre surtout ce qui est important. Donc c'est notre ressort en fer ici et le téton là. Vous le voyez à la caméra? Ouais, c'est bon. Comment je procède? Je ne mets pas de gants parce que le petit ressort est très délicat. Donc s'il tombe en bas, enfin, j'irai le chercher. Donc je vais commencer par relever mon ressort et voir si je peux le fixer ici d'abord. Parce que je vois qu'ici, il a comme un frein qui fait qu'il est retenu. Je vais essayer de voir aussi, est-ce que je peux bouger mon collecteur, mon volet. Donc j'essaie de le tirer. Ça vient, ça va. Ah, il a un peu de jeu, on dirait. Donc voilà, je vais les tirer. Je vais essayer de caler celui-là déjà. C'est le petit qu'il faut mettre en premier. Donc la caméra devant moi. Allez, je souffre que tu récupères le ressort. Déjà. Il n'y a même pas d'accès derrière la pièce, c'est bête. Un autre angle de vue sur cette vidéo. Et le démontage et le remontage de la même pièce. Et ce truc-là, si vous le faites tomber en bas, maman. On raconte pas le temps de le retrouver quoi. Il s'enlève, donc je l'enlève de l'emplacement de la vase d'abord. Normalement il est censé être plus serré pour se fixer là-dedans et se caler. Voilà, il s'est mis en place et normalement à partir de là il est censé. Ah non, non, je pensais qu'il allait être censé pas tomber, mais il tombait. C'était bien ce sens, oui, c'est celui-là qui s'accroche bien. Dans ce sens, ça devrait aller. On va le remettre dans son sens. On va juste. Est-ce que je vais arriver à te remettre? Est-ce que tu vas me faire galérer?
On y est presque. Hop là. Là, j'ai pu rentrer le ressort en fer à sa place. Maintenant, je dois remettre le téton noir. Allez, viens, 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 viens. Voilà, bravo. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. S'il te plaît. Le téton, il va pas rentrer, il va rentrer tout doucement. Surtout ne le lâchez pas ce truc là. Limite j'ai envie de vous dire scotchez-le ou attachez-le parce que s'il part, on est mal. Hein. Alors, on va remettre à sa place là. Ressortir un peu le mécanisme. Alors de la place. Celui-là, s'il pouvait rester en haut, ce serait le top. Avec la caméra devant moi aussi. Vraiment pas pratique. Moi, je vais vous mettre plus haut en bas à côté. Bon, je vous arrête et je vous reprends. Un panier sur les galets. J'ai réussi à rattraper le truc noir, c'est ok. Je planquais un peu moyen. Ah, j'ai mis déjà la tige noire. Donc le téton noir est maintenant compliqué à mettre sur le ressort. Le téton noir, c'était pas le plus dur. Et le ressort maintenant. Maintenant, on va mettre la pièce à son emplacement. Pas d'ordre de vis, il y en a trois, vous mettez comme vous voulez. Enfin, il a pris, eh bien.
Le deuxième, il a pris aussi. Et là, le troisième. Alors, maintenant, on va préparer le torx de... On va être du 30. Ici, 30. Donc, on est sur du... T30, on va voir si c'est bon. Et c'est bon, et c'est bon, et on visse. Allez, je remets tout en place. Alors attends, comment je vais caler mon portable? Hop là. Donc voilà, j'ai tout remis à sa place. C'est pas vissé encore, il faut que je visse. Il faut que je visse tout l'élément. Donc voilà, je vais vous décaler. Maintenant, je resserre tout comme il faut. Donc rallonge moyenne, cliquez moyen, petit même. Plus de cale. Les trois boulons sont serrés. J'ai plus qu'à remettre la fiche. Voilà, faut bien que la fiche elle se clipse. Donc je disais, on va juste aller voir au niveau du tableau de bord si la pièce communique, donc si elle donne signal. Il n'y aura pas de voyant moteur. Après, j'ai pas effacé encore les défauts via le jag. J'ai pas fait encore ni d'effacement ni de diagnostic. Donc là, c'est à froid. Donc où elle va détecter que la pièce a été remplacée. Donc voilà, on avait voyant de voyant moteur qui était allumé, pas que le voyant de préchauffage. Je démarre juste pour voir. Batterie faible, c'est normal, le véhicule n'a pas bougé pendant une semaine, le temps que je reçois la pièce. Donc voilà, voyant de préchauffage qui clignote, voyant moteur allumé. Le défaut en question, c'était donc l'actionneur, le transmetteur de volet de position. Transmetteur et actionneur en même temps, hein, qui ferme le volet. Donc là le véhicule tourne, on va faire un diagnostic pour voir ce qu'il en est. Est-ce que la pièce a été reconnue ou pas? Est-ce qu'elle doit faire, elle doit être apprise ou pas? Je pense pas. On va tester ça. Allez, je vais chercher le jack. Donc le véhicule est en train de tourner. Je le laisse chauffer un peu parce qu'il n'a pas tourné, ça fait longtemps. Je vais connecter la machine. On peut la laisser ici. Sésame, ouvre-toi. Sésame, allume-toi. Donc on en était là. La tablette s'allume tranquillou. Ça a été remplacé. C'est enregistré dans le calculateur. Le défaut. Je viens de connecter mon OBD. Au volant, au tableau de bord, on a un voyant moteur et un voyant de préchauffage qui clignote. Donc je coupe, je remets le contact. Est-ce que ça a pris la pièce? Non, pas du tout. Hop là. Bon, je laisse le contact. Non, je vais la démarrer quand même, parce que même moteur démarré, on peut faire le jag. Donc il faut embrayer pour démarrer. L'ampoule, elle s'éclaire plus. Et là, donc on a voyant moteur,
et voyant de préchauffage qui clignote. Ça vous rappelle l'Apollo? Ça vous rappelle une voiture peut-être? Alors, diagnostic. Bon, je vous installe bien. Je vous mets à côté de moi. Alors, santé. J'accepte tout. Oui, toujours, j'accepte. Moi, j'accepte tout. Hein. Et je veux que j'accepte pas. Allez, je vous pose. Hop là. Désolé, ça dérange. C'est une cigarette bio. Alors, actif, potentiomètre de papillon, signal trop faible. Transmetteur, position volée tubulaire d'émission, signal non plausible. Ouh là là, signal non plausible alors qu'il est tout neuf. Bon, ça va être enregistré. Volée de tubulaire, défaut électrique. Signal non plausible, voilà. À la base, on avait signal non plausible. On l'a remplacé. Signal non plausible. Est-ce qu'ils nous mettent l'heure? Temps. Ah, le 16 août. Waouh, vous voyez comme ça remonte loin. Ça remonte même la date, même le kilométrage qu'avait le véhicule à l'heure de l'anomalie. C'est incroyable. Fréquence, deux fois. Intégrateur lambda, tension, switch, angle de calage. Alors, on sort de là. Bon, bref, là, je vais aller mettre que le contact. On va faire un effacement des défauts. On est là. Hop, on est là. On coupe. On laisse que le contact. J'ai laissé tourner pour que la batterie se charge un peu. Donc au contact, on a un préchauffage et moteur allumé. Et voyant moteur qui reste allumé. Donc c'est tout bon. Faut mettre que le contact pour pouvoir supprimer les codes défauts du calculateur. On va juste faire une relecture pour voir s'il nous le relie quand même. Alors, suspense. Alors, il nous met tout en actif. Potentiomètre de papillon, signal trop faible. Celui-là, il est nouveau, il n'y était pas. Hein. Date. Ah, ça, ça a l'air d'être un bug, plus. C'est le bug de l'an 2000. Vous voyez, 2000, 2000, 2000, 000. Donc, nous, on va effacer tout. Tout est parti à fond les manettes. On sort de là. Électronique moteur, un défaut. Après l'effacement, il refait une lecture tout seul en fait. Potentiomètre de papillon, signal trop faible. Ah d'accord, est-ce que ce serait lui qui ferait que le voyant de préchauffage clignote? Sûrement. Je vais redémarrer le véhicule et on voit ce que ça dit. Donc le P0122. Déjà on va voir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste pas. Donc je coupe. Je remets le contact. Voyant de préchauffage qui clignote. Est-ce que le voyant moteur il reste? Je sais pas. Donc à la suite du remplacement de l'actionneur ou de le transmetteur volé de position, actionneur transmetteur, les deux, il faisait allumer le voyant de préchauffage, le voyant moteur. Le voyant moteur a disparu. On voit ici qu'il nous reste le P0122. Donc il est en train de nous parler en actif le potentiomètre de papillon. On sort de là, on rejag. T'as du mal. Voilà.
potentiomètre de papillon, signal trop faible. Alors, on va aller déterminer où se trouve le potentiomètre de papillon. Là, il est actif. On va aller le débrancher. Là, on nous dit signal trop faible. On ne nous dit pas pas de signal ou signal incohérent. On nous dit trop faible. Est-ce que le fait est qu'elle n'ait pas roulé à longtemps, ça a pu faire déclencher ce défaut? Moi, ce défaut, je pense plus que c'est potentiomètre de papillon. Donc, on va aller déjà au niveau du papillon. Le papillon, il est là. Potentiomètre. Donc, ça devrait être cet élément. Donc, on va la débrancher pour voir si on est sur la bonne pièce. Voilà, là elle est déconnectée, mon papillon il est déconnecté, à moins que ce soit celui-là, mais je pense plus que ce soit celui-là. Donc on va aller voir ce que ça représente cette pièce. Est-ce que c'est celle-là? On va voir. Le café il va refroidir. Mon enfant nu sur les galets. Alors maintenant, comme on a débranché un élément, ah, c'est mieux là. Donc on sort de là, on relance un code diagnostic pour voir si, eh bien voilà, il nous laisse le même code défaut alors qu'il est connecté. Il est branché actif, il est connecté là-bas, il n'est pas signal trop faible, en fait, il n'y a pas de signal. Alors, je coupe, je remets le contact, je fais un effacement, vu que on va voir si ça change le code ou pas. Il est parti, d'accord. Mais bon, il est parti, mais c'est normal, il est déconnecté, et je recoupe. Je vais, hop, remettre le contact. Le voyant de préchauffage clignote toujours. Et donc là, on refait une lecture code défaut, puisque la pièce a été complètement démontée, enfin déconnectée. Ah, commande de papillon coupure. Voilà, là le signal il est plus trop faible. Là on a le P2100. Là on a coupure. Coupure, ça nous fait parler du circuit. Comme quoi le circuit ça va pas. Elle, le signal trop faible, donc ça devient autre chose. Ça nous fait pas comprendre que à commande de papillon, mais potentiomètre de papillon. Alors commande de papillon, potentiomètre de papillon. Est-ce que je suis pas sur un autre élément? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Il y a comme commande de papillon, potentiomètre de papillon. Donc c'est pas, est-ce que ce serait pas la pièce qu'il y a juste avant en amont, ou est-ce que ce serait pas une autre pièce? Donc là on voit que c'est pas potentiomètre. Donc ça déjà on va aller le remettre à sa place, le P2100, c'est pas le bon. Et là on voit bien qu'il y avait marqué le 2112 et c'est bien aujourd'hui. Alors cet élément, je pensais que c'était le potentiomètre de papillon, mais non, ça c'est vraiment la commande papillon, c'est le papillon. Alors, on disait, ici, le boîtier papillon. Alors, j'ai vu que dans la continuité du tuyau qui mène à la sortie, donc à l'échappement, à la sortie, il y avait une fiche ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop, allez, on la voit, on la voit pas. On la voit pas, elle est là. Elle est là, là il y a une fiche là en face. Cette fiche là, elle va sur un capteur. Est-ce que c'est le capteur de, enfin, le potentiomètre? Je sais pas. On dirait bien. Ça a l'air d'être un capteur avec deux vis. Je pense bien que c'est celui-là. Le capteur. Donc pour le code défaut, P0E22. Donc moi j'ai envie de, comme j'ai pas accès, il commence à faire nuit, et que moi à la base mon véhicule il avait que le voyant moteur qui était allumé. Donc ça, la commande papillon, je viens de la reconnecter, donc je vais faire un effacement des défauts. Tout qui part, ok.
Donc, désembuage, s'il vous plaît. Alors, comme lumière, c'est bon. Alors, désembuage. Et là. Sans la clim, c'est mieux. Donc, on a été électronique moteur. Et on nous mettait potentiomètre. Potentiomètre de papillon, signal trop faible. Le P0122. Le papillon, il a été remplacé déjà. À moins que ce soit abîmé du fait que l'actionneur volet tubulure ne voulait pas fonctionner, je pense pas. Donc je me dis que en allant faire un tour, on va voir s'il est là. Alors, tour minute, débit d'injection, pression carburant, capteur pulsion pédale. On va juste voir si le capteur il fonctionne, si j'accélère. Capteur de pulsion de la pédale. Là, j'accélère, elle bouge pas. Ah si si, elle bouge. Merci. Émetteur température. Sonde vitesse. Pas de pression carburant réel. Température huile, température carburant, l'air, émetteur température, les capteurs de turbo. Un, deux, trois, quatre. Est-ce que le 4 est en train de s'abîmer? Je sais pas. Vous voyez, sur chaque véhicule, l'interface est différent. Alors, pression collecteur, régulateur turbo, température des gaz, pression des charges, pression de rotation, masse, volet A, volet de tubulure d'admission, contrôle, volet tubulure, sonde de vitesse moteur, masse d'air réel, volet de tubulure, étage, moins 13, plus, retour, étage de... Ah, la plage entre 0 et 100. Donc celui-là, là. Est-ce que j'ai pas un réglage à faire? Non. Masse d'air, température, accélérateur, capteur, sonde lambda, capteur d'oxygène, valeur d'oxygène. Alors, on n'a pas potentiomètre papillon. On va pas nous le mettre comme ça, c'est sûr. Particules, température turbo, sonde de moteur, température filtre particule. Sonde de moteur, pression. Vous voyez toutes les données qu'on a en temps réel sur une Audi A3 de 2009, vous imaginez sur un véhicule récent. Volume de cendre, 198 ml, c'est quoi le max? Ah, intervalle 380 plus 300, environ tout. Non, ajouter pour
calculer le kilomètre restant sur un PDF. Ok. Alors, on n'a rien aussi au niveau du papillon. Qu'est-ce que j'ai remplacé? J'ai remplacé le paramétrage de base. On va voir s'il y a quelque chose au niveau du moteur collecteur d'admission. Activation de la pompe d'alimentation, adaptation de la régulation pression carburant, commande sur alimentation turbo, canal de collecteur d'admission, adaptation de fonctionnement de moteur électrique. On est là. Donc il y a bien une adaptation à faire avec cette pièce. Donc on coupe, on remet le contact. Le voyant de préchauffage a disparu tout seul, hein, pendant que ça tournait. Vous voyez, incroyable. Donc en fait, tout allait bien. Enfin, je pense. Donc on va faire cette procédure-là. Le voyant de préchauffage a disparu tout seul. En fait, moi, je le savais déjà, puisque mon véhicule, à la base, j'ai commandé l'actionneur, entre parenthèses, transmetteur, position, fonction, hors fonction. Est-ce qu'il doit tourner? Je ne sais pas. Donc moi, je savais qu'il n'y avait que... paramétrage de base. Ben non, il n'y a pas besoin. Intégrateur lambda, intégrateur lambda. Donc je disais, moi, je savais que j'avais que mon transmetteur volet de tubulure à remplacer. Je savais que j'avais aucun autre souci sur ma voiture. Là, il y a tout qui vient de disparaître, c'est super. Ça s'est reconnecté tout seul, quoi. Ça a compris que tout allait bien, en fait. J'ai rien fait de spécial, hein. Adaptation du module de commande des papillons de gaz. Donc, si vous remplacez la commande papillon, je vous ai montré tout à l'heure, il y a une adaptation à faire. Adaptation pour la vanne EGR, adaptation pour la vanne le régulateur, donc vanne de régulation de pression de carburant. Celle-là aussi, elle a besoin d'une adaptation. Régénération du filtre à particules à l'arrêt, activation de la pompe d'alimentation carburant, réglage de la pression de suralimentation, donc réglage pour le turbo, réglage des gaz, recyclage des gaz d'échappement. Donc, EGR. Donc, on sort de là, il n'y a plus rien. Normalement, en code défaut, il doit y avoir plus rien non plus, vu que le voyant a disparu. Voilà, le signal est passé en passif. Le signal, il était trop faible. Peut-être que, je sais pas, peut-être que les volets ont dû rester, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire sur ça. En attendant, même si ce défaut il s'active chez vous, il faut vérifier. Même si le défaut il est actif, des fois, vous voyez, en roulant, juste en faisant tourner le moteur, il y a tout qui a disparu. Il n'y a rien de spécial à faire. À la suite du remplacement, on est bien d'accord, de l'actuateur, du transmetteur, de volet, de position, du collecteur d'admission. Bref, passons. Donc on a fini en fait, on a fini, là je dois faire juste un contact, faire un effacement du défaut, et il n'y a plus rien quoi, le voyant de préchauffage a disparu tout seul. Je me disais aussi, si le voyant de préchauffage s'était allumé à la base, j'aurais commencé par m'occuper du voyant de préchauffage. Moi mon véhicule n'avait rien au niveau du préchauffage, il avait juste, donc en code défaut, volet de tubulure, il y a marqué actionnaire volet de tubulure ou transmetteur de position, ouais, c'était plus ça. Transmetteur de position, volet tubulure. Et là, ben, on n'a plus rien. Hein. Donc défaut, zéro, il y a tout qui est parti. Il y a le contact. Je coupe, je remets. Mon moment de préchauffage, il s'allume. Je démarre mon véhicule. Et je n'ai plus de défauts. Voilà les amis, merci d'avoir visionné cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Je vous invite aussi, pour le référencement de mes vidéos, à mettre un like et un commentaire sur ma vidéo. Je remercie tous ceux qui feront ça. C'est gratuit. Et en même temps, ça m'aide à moi. Je suis en train de préparer une nouvelle toiture à ma cabane pour avoir un atelier un peu plus confortable. Voilà les amis, je vous dis à bientôt, passez de bonnes fêtes encore. Je vous dirai toujours passez de bonnes fêtes jusqu'à la fin de l'année, même si je dois faire encore des vidéos. Alors ne m'en voulez pas, prenez soin de vos proches. Et les amis, je vous dis à bientôt. Salut à tous.